Il faut que j'aille là où on mange bien, là où on dort bien, là où on oublie tous les soucis, là où il y a des belles nanas, des belles aventures et des belles plages. Ah bah si. C'est bon, je te pardonne. Attends, je vais chercher de l'eau. Allonge-toi là. Ma boîte. Debout. Doucement. Doucement. C'est bon? T'es sûr? Oui. Hein? On peut parler? Bon, moi ce que je voulais te dire, moi rester à Mayotte, ça vaut même pas la peine. Sérieux. Moi, il faut que je pars. Mais c'est vous qui voulez rester avec moi? Je serai avec toi, même si je veux partir, je serai avec toi. Je veux t'appeler, je veux prendre tes nouvelles et donc tout ça. Et t'inquiète pas. Après, une fois, si je retourne à Mayotte, voilà, on sera toujours des copines. Tu me promets d'être ma copine? Je te promets, je te promets. T'as pas à t'inquiéter, d'accord? Oui, mais quand tu vas partir, tu me dis comme ça, je me mets t'accompagner à l'aéroport. Je ne peux pas partir sans toi, que oui. Voilà, tu m'accompagnes. Moi, j'aimerais bien que tu m'accompagnes. Ok, pour merci. La dernière fois, d'accord? Oui. Tu restes ici aujourd'hui? Oui, oui. Hein? Oui. D'accord. Je m'allonge là parce que je sens que... D'accord, il n'y a pas de souci. Doucement. Moi, je vais t'amener chez un médecin. Tu vas avorter, Chouma. Chouma, s'il te plaît, écoute-moi. Imagine un peu, Chouma, imagine. Toi, tu n'as que 16 ans. Tu vas avoir un enfant. Hein? Tu veux aller à l'école. Tu veux t'occuper de ton enfant. Tu crois que tu pourras suivre tes études? Hein, Chouma? Chouma, je veux que plus tard, tu travailles. Que tu sois une femme d'affaires. Chouma, ne pleure pas et écoute-moi, Chouma. Moi, je suis ton responsable. Je vais t'amener chez un médecin. On va essayer de voir si on peut avorter, Chouma, s'il te plaît. Mais non, papa, tu comprends pas. Avorter, tu sais, c'est quoi? Chouma. Donc, maintenant, tu veux avoir un enfant, hein, élever ton enfant, abandonner tes études. C'est ce que tu veux. Mais c'est ça ce que non, tu veux. Non, je veux pas. Je veux pas faire de choix. Mais tu parles de avorter. Est-ce que toi tu je sais pas si tu vois la réalité des choses. C'est pas n'importe qui t'a mis enceinte. C'est ton beau-père. Est-ce que tu vois un peu la réputation? Hein? Est-ce que tu penses un peu aux réactions de la population de Mayotte? C'est pas de quelques personnes, mais de la population entière de Mayotte. C'est ton beau-père qui t'a mis enceinte. L'enfant, lorsque l'enfant sera né, hein, l'enfant va apprendre que toi, c'est l'enfant du beau-père. Comment l'enfant va être? Comment l'enfant va être? Hein? Mon voiture de soi. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Parce que, attends. C'est qui encore qui m'appelle là? Excusez-moi, je suis occupé, je suis en train de parler là. Je vous rappelle s'il vous plaît, ok? Excusez-moi, je vais vous rappeler là. Tu vois, c'est ta grand-mère qui m'a appelé là. C'est ta grand-mère qui m'a appelé. Elle aussi, elle s'inquiète. Tu comprends, Chouma? Bon, l'histoire de grossesse là, on va en reparler. Maintenant, Chouma, s'il te plaît, dis-moi exactement que s'est-il passé avec ton papa? Pourquoi vous êtes en arrivé là, ton beau-père là, de Mzé? N'aie pas honte, dis-moi la vérité. Pourquoi vous êtes en arrivé là? Jusqu'à... Dis-moi. Il m'a menti. Il m'a utilisé. J'ai été trop naïve. Trop, mais trop. Il t'a forcé, c'est ça?
Mais non, il m'a pas forcé, mais il m'a utilisé. Il a utilisé mes sentiments. Chuma, tu es la fille à combo. Tu dois réfléchir comme ton père. Tu dois réfléchir comme ton père. Lorsqu'il t'a proposé ces choses dans le... Pourquoi tu n'as pas dit non? Pourquoi tu n'as pas dit non? Tu n'es pas bête quand même. Hein? Osini sangero dude amani yangu ivo. Osini sangero sherie amani yangu ivo. Wamita umbwa na wawe wala tafungwa na wawe. Tivende usini songe wanifanya dori la shenge.